Donc on m'a demandé un peu de parler de l'histoire de Chic, d'où on vient, où on va. Donc pour ça, je vais commencer par me situer 1500 ans avant Jésus-Christ pour commencer l'histoire en montrant donc cette tablette qui est écrite en linéaire A, qui est une langue qu'on a complètement perdue. Donc on est maintenant incapable de déchiffrer ce qu'il y a décrit sur cette tablette. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, le message, il nous est quand même parvenu. L'information, elle est là. Mais on ne sait plus la décrypter. Donc ce qu'on a perdu, ce n'est pas l'information, mais c'est la culture qu'il y a autour pour pouvoir la déchiffrer. Et donc, ça, c'est... Je pense qu'on change un peu la vision des télécoms. On est toujours à envoyer. Mais là, il faut plutôt se placer sur le recevoir et comment le traiter. Donc nous, humains, on a notre culture. Là, on ne se connaissait peut-être pas il y a une demi-heure et on est capable de parler ensemble et de se comprendre, enfin j'espère, sans trop de problèmes parce qu'on partage la même culture. Et les ordinateurs, bah, ils partagent aussi une culture hein, qui a commencé dans les années 70 avec IBM, et puis après il y a eu X25 et plein de choses qui ont donné lieu à une pile protocolaire, donc un empilement de différents protocoles qui vont faire des fonctions de plus en plus précises, et donc qui est le moyen de communiquer de tous les ordinateurs à l'heure actuelle. Donc on a eu cette convergence vers cette culture universelle pour ordinateur. Alors je pourrais en parler pendant des heures, mais on m'a dit que j'avais qu'une demi-heure. Donc j'ai juste me focaliser sur deux points, sur ce modèle. Le premier que je trouve essentiel, on a parlé tout à l'heure d'ATM, et ATM, une des erreurs, c'était justement d'avoir qu'une seule couche qui ne permettait pas l'évolution. Et donc on a, au niveau de cette interconnexion entre deux niveaux, à la fois pouvoir changer de moyen de véhiculer, mais surtout, on a un niveau IP qui offre une grande stabilité dans le temps, c'est-à-dire que IP a été standardisé dans les années 80 et on l'utilise toujours de cette manière-là. Justement, c'est un problème parce qu'on voudrait en sortir, mais on ne peut pas parce qu'il est partout et il offre une très grande plateforme de stabilité. Et en dessous, on a des technologies qui, elles, évoluent très vite. Les technologies qui existaient à la conception de l'Internet, on ne les utilise presque plus. Personne ne parle d'Ethernet sur des gros câbles, le Wi-Fi, Bluetooth, la 4G. Ce sont des technologies qui sont arrivées après la standardisation. Donc avec cette couche IP qui offre de la stabilité, ça offre aussi à l'écosystème une grande stabilité qui permet après de prendre des décisions en disant je vais sur IP et je suis sûr que ça va rester. Tandis que si on va sur une technologie niveau 2, eh bien, on a le risque que cette technologie disparaisse et tout le travail qu'on a fait disparaisse avec. Donc ça, c'est pour moi un point important. Le deuxième point important, c'est qu'ayant cette interconnexion mondiale, on a réussi à faire aussi un miracle, c'est le web, donc qui est l'interconnexion de ressources entre elles par des liens. Et les liens, bah, c'est des trucs comme ça. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui sont très longues. Donc ça prend beaucoup de place. Et derrière, ben, on voit, il y a des objets, des parties techniques, des parties pour s'en rappeler, etc. Ça, c'est le lien pour un MOOC sur Chic qu'on est en train de monter, en passage. Et ensuite, dans les ressources, ben, on peut mettre plein de choses bien structurées, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Alors, le problème, hein, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que là, en arrivant à faire cette interconnexion mondiale, eh bien, on ne regardait pas à la dépense, aussi bien en énergie qu'en transport d'informations. Et donc tout cet écosystème se crée sur du, entre guillemets, du gaspillage de ressources, mais derrière un énorme bénéfice qui est l'interopérabilité. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est l'IETF, donc l'organisme qui standardise l'Internet, s'est dit, OK, bah, on va essayer de réduire ça en allant donc vers cette technologie SixOpen qui consiste à revoir l'ensemble des protocoles et à essayer de les rendre moins coûteux en transmission et aussi moins coûteux en implémentation pour permettre d'être mis dans des objets contraints. Et donc un des premiers succès, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le Linky qui utilise ces protocoles, c'est aussi donc Wison qui utilise ces protocoles.
mais on est encore sur des débits qui sont encore gros, hein, de l'ordre de 100 kilobits par seconde, avec des paquets qui sont grands. Et comme disait Olivier tout à l'heure, bah, il y a une nouvelle norme de protocole qui est arrivée, ce sont les LP1. Et on a eu la chance ici à l'IMT Atlantique d'être dans les premiers à tester ces technologies grâce à CareLink qui nous avait mis à disposition des protocoles. Et là, c'était l'euphorie. On a des choses qui sont économes en énergie, qui permettent de faire plein de choses. Et puis, on a des prévisions qui nous prévoyaient 500 milliards d'objets avec ces technologies en 2030. Donc, il nous reste encore 4 ans pour y arriver. Mais ça semble un peu compromis au niveau des chiffres. 6 ans. Mais derrière, on est parti donc avec Alex, Anna à l'IETF. Et donc, Alex et Anna ont convaincu l'IETF. Et c'est ça qui est vraiment agréable avec ces organismes de standardisation, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que deux académiques français qui vont au Japon et qui disent, bah, il y a une nouvelle technologie que vous ne connaissez pas, qui s'appelle LP1, c'est vachement important, et il n'y a rien qui peut marcher de l'Internet dessus. Ils ont dit, OK, bah, montrez-nous ça. On a ouvert une mailing list. Et en 6 mois, on a réussi à créer le groupe de travail pour travailler sur cette technologie. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir Chic en gros, en généralisant ce que l'on avait fait dans Sixtopan et en le généralisant donc à toutes les couches protocolaires et pas uniquement à IPv6. Et donc, comme ça a été dit, un des succès, c'est l'utilisation, donc la compression à la fois de la pile protocolaire IP et de DLMS pour donc ce NEMUS, donc le compteur d'Italgas. Alors, évidemment, il y a un problème, c'est-à-dire que ces 500 milliards, on ne les a pas, et donc c'est un peu gênant. Et finalement, ça donnait raison un peu à notre intuition, qui était que IP, il est essentiel. Parce que IP offre l'interopérabilité. Donc, pour arriver à faire de l'Internet des objets hypermassif, il ne faut pas juste s'intéresser au niveau 2, au transport de l'information et le rendre efficace, mais il faut aussi regarder à l'intégration des informations venant de ces objets dans les systèmes opérants. Donc là, on a essayé de faire une petite classification suivant 4 axes qui nous semblent importants pour avoir l'Internet des objets massifs. Donc, on a vu l'énergie, l'efficacité énergétique, parce que s'il faut changer les batteries tous les jours, bah, ça ne sert à rien. L'interopérabilité pour pouvoir l'insérer dans les systèmes existants. La sécurité de bout en bout, parce que si on peut tout triander, bah, ça ne sert à rien. Et la flexibilité, c'est-à-dire le moyen de s'adapter à différents environnements. Donc, si on regarde les LP1, on est plutôt dans cette catégorie, c'est-à-dire qu'on est très efficace en énergie. On a une sécurité relativement bonne, qui n'est pas de bout en bout, mais qui est quand même très efficace. Mais par contre, on n'a pas vraiment d'interopérabilité. Il faut développer de nouvelles applications à chaque fois que l'on veut créer un nouveau service. On ne peut pas se brancher sur un service existant. Et puis, la flexibilité, vu que c'est un protocole qui a peu de possibilités, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de la vidéo dessus ou autre, mais c'est le jeu. L'Internet, c'est plutôt quelque chose qui est donc très interopérable, qui est de sécure de bout en bout avec tous les mécanismes de chiffrement, qui est très flexible parce que l'on peut faire à la fois de la vidéo, de la téléphonie. On a un confinement et on change de Netflix à la visioconférence sans aucun problème. Par contre, on n'est absolument pas efficace en énergie. Alors, ce que les travaux de l'IETF pour être efficaces en énergie, bah, permettent de répondre à tous à peu près à ces points-là, mais pas vraiment de manière efficace. Et surtout qu'on a une tendance aussi au niveau de l'interopérabilité. C'est comme on a des protocoles un peu meilleurs, on va recréer des silos et on perd de l'interopérabilité. Et donc, à côté de ça, donc, on a Chic. Donc, Chic, bah, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est reprendre les bénéfices d'IP, dans lequel donc on a l'interopérabilité, l'efficacité énergétique et la sécurité de bout en bout. Par contre, on va relâcher une contrainte qui est la flexibilité. Et donc, on va spécialiser l'Internet pour faire
une tâche particulière. Mais évidemment, on ne va pas faire un chic qui est juste pour une application. Et donc, on va introduire un concept qui est de méta-flexibilité. C'est-à-dire qu'on va mettre des règles qui, elles, sont très flexibles et qui vont permettre de décrire ce que l'on attend. Et c'est après, une fois qu'on a appliqué ces règles, qu'on va pouvoir appliquer la compression. On a un paquet qui arrive, il va être scanné. On va regarder donc à quoi elle correspond, on va le comparer à des règles. Et après, on va effectuer une compression qui va enlever l'information qui naît et qui est présente dans les règles. Ensuite, ce que l'on fait, c'est juste ajouter un petit label au niveau de ce qu'on a comprimé pour dire quelle règle on a utilisée. Et le décompresseur, donc, en récupérant la règle, pourra faire l'opération inverse. Et puis, si le paquet est trop grand, eh bien, on va pouvoir le découper en fragments. Et le même principe, on va rajouter un petit label qui est d'une règle qui va dire quel algorithme de fragmentation on a utilisé. Donc voilà, c'est le principe en rapide. Donc là, on le revoit sur un slide un peu plus académique. Donc l'idée, c'est de mettre une convention, donc de point à point, entre l'objet et le réseau Internet, dans lequel on va spécialiser énormément la liaison. Mais en sortie, on pourra revenir dans le monde Internet, où là, on a tout l'existant, toutes les applications qui tournent. Donc toute la magie de Chic, c'est d'avoir un ensemble de règles partagées entre deux points. Et si on a un autre objet, on aura un autre ensemble de règles. Évidemment, ça peut faire énormément de règles, mais ça, c'est un modèle formel. Après, au niveau implémentation, il y a plein d'astuces pour réduire les états. Donc, pour parler des avantages de Chic, donc le premier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un côté, donc au lieu d'aller toujours vers toujours plus de débit et autres, c'est d'arriver à réduire le débit des liens. Donc c'est des mesures hein, qui ont été faites. On arrive à réduire de 40 à 90% le trafic IP. On a des objets qui sont beaucoup moins gourmands en énergie, c'est-à-dire qu'il y a moins à les remplacer, moins de batteries à jeter. Et puis, on a des occupations de réseaux qui sont meilleures, puisqu'on a des messages plus courts. Donc ça, je pense que c'est un message qui est important aussi au niveau de l'école, c'est de dire que là, on pousse un Internet beaucoup plus sobre, spécialisé, mais toujours flexible. Donc, on l'adapte à un comportement. Le deuxième, c'est au niveau de la sécurité, puisqu'on a défini une liaison qui est liée à un comportement. Si on a un comportement bizarre qui arrive, eh bien, il ne sera pas décrit dans les règles et donc il ne pourra pas aller attaquer l'objet. Donc le baby phone qui fait autre chose, bah, ça, c'est pas possible de ce côté-là. Et le troisième point, qui à mon avis est le plus fondamental, c'est qu'on est en train de révolutionner aussi l'architecture de l'Internet. Donc l'Internet, si on regarde ces deux classiques, c'est deux fonctions fondamentales. Le premier, c'est le mode datagramme, c'est-à-dire qu'on traite chaque information indépendamment les unes des autres. Et la deuxième, c'est qu'on avait le même format de paquet partout. Avec Chic, et ça, c'est le seul protocole de compression qui permet de le faire, on garde le mécanisme de datagramme. Donc, on ne change pas le fonctionnement des applications. On a beaucoup de souplesse à ce niveau-là. Et donc, ça nous permet de, à la fois, donc, d'être très proche du fonctionnement actuel de l'Internet, et en plus de faire de la compatibilité entre différents services. C'est-à-dire qu'on peut avoir en bleu ici une liaison qui est spécialisée pour remonter des alarmes, une autre liaison en vert qui est spécialisée pour envoyer des informations, des alertes, et on reste au milieu dans l'Internet, et donc on ne perd pas l'interopérabilité. Et donc ça, c'est un point important, et on peut évidemment aller vers le cloud ou vers des services classiques pour gérer ça. Donc en gros, je dirais que Chic, c'est une imprimante. Donc ce qu'on a défini à l'IETF, c'est une imprimante dans laquelle on donne les mécanismes pour écrire des dictionnaires qui vont permettre de passer d'un Internet spécialisé à un Internet généraliste. Et donc on a ouvert ces règles-là. Maintenant, on est en train de les explorer. On en a certaines, mais évidemment, il y en a plein encore à découvrir. En particulier, un point qui nous tient à cœur. Donc, on a parlé beaucoup de terrestre, mais il y a un autre milieu où on a très peu de débit.
C'est même Sigfox, c'est un réseau haut débit quand on voit ce que l'on fait ici. C'est donc les communications sous-marines, où là, on est sur des paquets qui font à peu près 10 octets, mais des débits relativement lents. Et on peut utiliser Chic pour rendre ces systèmes interopérables. Ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a presque pas d'interopérabilité. Chaque fabricant de modem a sa propre norme et les équipements ne parlent pas ensemble. Donc on peut garder ça, mais en mettant les couches Chic au-dessus, on peut arriver à avoir de l'interopérabilité. Alors, pour parler du Lab Chic, qui nous réunit aujourd'hui, au niveau des protocoles, des implémentations de Chic, donc il y en a deux principales. Il y en a d'autres qui existent, mais qui découlent souvent de la solution open source. Donc, on a Activity qui a deux objets, donc le côté cœur de réseau avec IP Core, et donc le côté que l'on met sur le device qui est Full SDK. Donc ça, c'est un produit professionnel avec plein de documentation et autres qui est porté sur différentes cartes avec plein de tests. Donc c'est vraiment une implémentation industrielle du protocole. Et à côté, donc on a OpenChic qui est une vision plus académique des choses, surtout concernant sa documentation. Et donc le OpenChic a été créé en fait pendant les travaux de standardisation pour tester les hypothèses. Donc il est écrit en Python et il est très souple pour rajouter de nouvelles fonctionnalités. Par contre, il a beaucoup de mal à scaler, à monter à l'échelle ou autre, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est plutôt de tester, de faire des études académiques ou apprendre le fonctionnement de Chic. Donc qu'est-ce qui va se passer avec le Lab Chic? C'est que la partie full SDK va être mise en open source. Et donc va être ouverte à tous pour pouvoir l'implémenter sur des devices. Et là, ça revient un peu à ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire que là, on a avec le LabChic un monde à la fois dans le monde industriel, où là, on doit être efficace, on doit donc avoir des produits qui marchent, et puis de l'autre côté, dans le monde de la recherche, où là, on est plus à tester de nouvelles hypothèses. Et donc le but du LabChic, ça va être de garantir un peu cette interopérabilité entre les deux mondes en respectant les contraintes des deux mondes. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à Activity d'implémenter la dernière version de CoreConf parce que c'est vachement génial, on a 3 octets de moins. Je pense que d'un point de vue industriel, il y a d'autres contraintes et on doit les respecter. Par contre, 3 octets de moins d'un côté académique, c'est génial. Donc, au niveau de la roadmap, si j'y arrive, au niveau de la roadmap, donc on est en avril et donc on a déjà pris en main. Donc, Alex a déjà pris la pile en main avec l'aide de Cui, donc des équipes d'Activity. Et donc, on a déjà réussi à faire une première phase de prise en main avec une focalisation d'abord sur tout ce qui est compression-décompression. Et donc là, on a une compatibilité entre les deux mondes, mais il reste la fragmentation qui est un peu plus complexe, donc il nous reste un peu de temps. Et notre objectif, c'est d'ouvrir le code fin juin, pardon, pour être en open source. En parallèle à ça, c'est de développer aussi de nouvelles fonctionnalités, comme l'introduction, par exemple, des corrections d'erreurs, qui sont des choses importantes dans le monde du metering pour fiabiliser les communications. Et donc, on a des milestones aussi IETF parce qu'on va utiliser ces outils pour participer à la standardisation. Et puis, donc, vers la fin de l'année, ouvrir l'intégralité du code et aussi travailler sur des fonctionnalités plus avancées comme une qui est le management qui va devenir de plus en plus importante. Donc, juste pour donner quelques points au niveau des perspectives en standardisation, d'abord, je voudrais dire que, monsieur le directeur, vous êtes quelqu'un de très heureux, vous avez beaucoup de chance, puisque à l'IMT Atlantique, on a quand même 2 points bleus, c'est-à-dire 2 chairs, 2 groupes à l'IETF, donc qui font partie des 2 000 personnes qui décident de l'avenir de l'Internet. Et donc, qui chair de groupe, donc on a Alexander Pelov et Harris Koutsiamanis,
qui est donc de Dapi, qui donc sont chairs de groupe et donc influencent la standardisation, participent aussi à l'avenir de l'IoT à l'IoTF. Donc rapidement, une étape, c'est donc avec Anna, on travaille sur ce point, c'est tout ce qui est architecture et mettre du chic dans du chic, donc ce qu'on appelle le layering pour l'instant, donc qui permettent de faire ce que l'IoTF nous a demandé de faire, c'est-à-dire de faire sortir chic des réseaux LPWAN et de le mettre partout sur Internet. Donc il y a plein d'intérêts, par exemple compresser IPsec donc dans des cœurs de réseau 5G ou autres. Donc il y a plein de débouchés possibles derrière ça, et donc ça c'est une première évolution. La deuxième qui me tient à cœur, c'est tout ce qui concerne le management. Donc comment on va représenter les règles, donc entre un fabricant chinois et un fabricant français. Comment on va pouvoir aussi modifier les règles en dynamique. Et en particulier, donc Anna travaille aussi là-dessus, c'est pour la compression de protocoles comme TCP et augmenter énormément leur efficacité. Et comme on parle de protocoles legacy comme Modbus ou autres, on a du TCP, donc ça devient un élément important. Ensuite, il y a toutes les actions autour donc du 3GPP, de la téléphonie cellulaire. Donc bon, 4G, ce n'est plus vraiment de la recherche, mais il y a eu déjà des choses qui sont très bonnes. Donc on a eu, avec toujours Anna et Ericsson, un RFC qui décrit comment mettre chic dans les réseaux 4G. Et puis les études qui ont été faites par Clio, Activity, autour donc des réseaux narrowband IoT pour optimiser la bande passante. Et là, chic offre des propriétés vraiment très intéressantes au niveau de la stabilité des identifiants, etc., qu'on n'a pas si on se passe de ce protocole. Et il n'y a aucune raison de ne pas s'en passer, parce qu'en plus, on le voit un peu sur le graphique, on économise pas mal de trafic, de réveil, de timer qui efface les contextes et les rajoute après. Donc ça donne de très bonnes propriétés. Au niveau de la 5G, alors je n'ai pas tout décrire, mais on voit qu'il y a pas mal de brevets par nos constructeurs favoris autour de chic ou les positionner dans l'architecture. Je voulais juste souligner qu'on a donc un PEPR 5G avec Amina qui est au fond de la salle, et on travaille sur l'installation de chic, non pas au niveau de restandardiser des éléments, mais plutôt essayer d'utiliser l'architecture modulaire actuelle pour l'introduire de manière assez transparente dans le réseau. Et puis sur la 6G, qui va un jour arriver, donc il y a des travaux autour de l'ambient IoT, c'est-à-dire un peu des gros RFID, où on est alimenté par les ondes de la base station, et on peut répondre et envoyer des messages modulés. Vous vous rendez compte que là, évidemment, on n'a pas des débits énormes, et chic est un facteur important pour justement offrir de l'interopérabilité sur ces éléments peu bavards. Et puis, l'autre point important, c'est de voir la convergence entre Sixlopan et chic. Donc là, il y a des travaux toujours en cours. Donc Anna est aussi impliquée là-dedans, qui consiste à dire comment remplacer la couche header compression, donc l'IPv6, par quelque chose qui serait plus générique et qui pourrait porter sur l'ensemble de la pile protocolaire et pas uniquement sur IPv6. Donc voilà. À côté de ça, donc on a ce livre enfin ce MOOC sur IPv6 qui devrait sortir en juin, avec un livre compagnon, donc The Book of Chic, qui est en cours d'écriture. Et donc c'est aussi une phase importante pour la promotion du protocole, c'est d'avoir donc des cours, des TP, des vidéos pour expliquer comment le protocole marche. Alors pour finir, essayer de résumer ça sur un slide. Donc ça a été une route, et c'est toujours une route assez longue, sinueuse, même avec des nids de poules par moment dessus, mais on arrive. Et donc en 7 ans, on a quand même fait pas mal de miracles, parce que au début, c'était l'IMT Atlantique avec l'essaimage à Clio qui a réussi à pousser à l'IoTF des choses.
Ensuite, le standard est arrivé au niveau LoRaWAN, a été pris aussi par l'ISO, par l'AIC et donc par DLMS. Et donc tout ça, c'est un effort important et je pense que la standardisation, c'est quand même quelque chose d'essentiel parce que si on n'avait pas de standard, on n'aurait pas de produit à l'heure actuelle. L'important, c'est d'avoir cette interopérabilité. Et si on avait fait notre truc dans notre coin en disant voilà, on a chic, c'est génial, eh bien, il n'aurait jamais été déployé parce que le fait d'avoir ces standards met une pérennité. Et donc, ça, c'est important. Donc, la route se continue. Donc, on a parlé des émetteurs, des compteurs électriques et de gaz et autres. Donc, on peut donc voir d'autres verticales aussi. On a tout ce qui est véhicules électriques, bâtiments intelligents. On a aussi donc transmissions sous-marines qui sont aussi intéressants où SHIC peut être utilisé. Et puis derrière, donc, je dirais pas c'est le Graal, mais c'est aussi la reconnaissance par d'autres organismes comme le 3GPP au niveau de la 5G, de la 6G, de la Wi-Fi Alliance qui fait aussi de l'ambient IoT. Et donc, on a aussi cette place. Donc, pour résumer, donc, je dirais que.